La loi de Student, donc, qui régit, et là je vais parler de ces quantités, là au final mon objectif est de reparler de cette quantité, la racine de n fois xn bar moins mu divisé par sn, ou bien racine de n xn bar, alors ce sera racine de n moins 1 xn bar moins mu divisé par la racine de sigma n carré majuscule, comme on l'avait vu donc dans le premier tableau concernant ces distributions d'échantillonnage où l'on suppose la normalité des données. Hein. Ce sont donc ces deux quantités qui sont égales qui m'intéressent, et donc je ne m'intéresse qu'à la première ici, puisqu'elle est égale à l'autre, donc qui fait intervenir racine de n moins 1 ici et la racine de sigma n carré ici. Parler donc et justifier la distribution de Student avec n moins 1 degré de liberté, c'est mon objectif. Et donc je vais d'abord rappeler ce que c'est une loi de Student avec n moins 1 degré de liberté. Définition. Si j'ai x qui est distribué selon une normale standardisée, 0, 1. Si j'ai y qui est distribué selon une chi carré avec v degré de liberté, x et y indépendantes. Alors à ce moment-là, le rapport entre x et la racine carrée de y divisé par son nombre de degrés de liberté, z, son nombre de degrés de liberté v, pardon, mais le rapport entre ces deux variables aléatoires, je l'appelle z, eh bien z, donc, qui est le rapport entre cette normale 0,1 et la racine de la chi carré divisée par son nombre de degrés de liberté, c'est distribué selon une Student dont le nombre de degrés de liberté est égal au nombre de degrés de liberté de la variable aléatoire chi carré qui intervient dans la définition de z, ma Student. Alors à quoi est-ce que ça ressemble une Student ? Ben, ça ressemble à ceci. Une Student, ça ressemble à une normale standardisée, finalement. Elle est d'espérance nulle. Sa variance, elle est donnée par V sur V moins 2, des calculs que je n'effectue pas, hein, mais sa variance est définie lorsque V est strictement supérieur à 2 uniquement. Alors, comment se comporte cette loi de Student ? On le voit ici. Quand on va du bleu vers le vert, vers le rouge, nous avons un nombre de degrés de liberté qui augmente. La Student, c'est une loi qui ressemble à la normale 0,1, excepté qu'elle a des queues qui sont plus épaisses. Les queues, qu'est-ce qu'on appelle les queues? Ce sont les hauteurs ici, à l'extrême gauche et à l'extrême droite de ma distribution. Qu'est-ce qu'on va constater pour la Student? On va constater que ici, pour la courbe bleue, on a une épaisseur de la queue, hein, une hauteur de la queue, si vous voulez, qui est plus importante que pour la normale 0,1. Lorsque je vais faire augmenter mon nombre de degrés de liberté, ces queues vont s'écraser. Et lorsque le nombre de degrés de liberté va augmenter, on va passer de la courbe bleue à la courbe verte, à la courbe rouge. Et lorsque le nombre de degrés de liberté va tendre vers l'infini, ma Student va de plus en plus ressembler, pardon, à une normale centrée réduite. Voilà pour le graphe de la densité de ma Student. Ici aussi, on va définir un quantile d'ordre alpha pour cette distribution de variables aléatoires continue, complètement, absolument continue, qu'est la variable aléatoire de Student. Et donc le quantile d'ordre alpha, alpha compris entre 0 et 1, on va le noter t, indice v point virgule alpha, donc il est tel que la probabilité que z, ma variable aléatoire qui suit ma Student avec n moins 1 degré de liberté, la probabilité que z soit inférieur ou égal à t indice v point virgule alpha est égal à alpha. Voilà pour le rappel concernant la Student. Introduisons maintenant ces notions dans ma quantité d'intérêt initial dans la vidéo précédente. Racine de n fois xn bar moins mu divisé par sn, c'est égal à quoi exactement? C'est exactement égal à racine de n xn bar moins mu divisé par sigma, le tout divisé par la racine carrée de sn carré divisé par sigma carré. Vous voyez, les sigma se simplifient ici et nous avons une parfaite égalité entre les deux membres qui se trouvent ici à gauche et à droite de l'égalité. À quoi ressemble mon membre de droite? Eh bien, c'est extrêmement simple. Le numérateur
de mon membre de droite. À partir du moment où les xi sont exactement distribués selon des normales mu sigma carré, eh bien, mon numérateur ici a exactement une distribution normale 0,1. Je regarde ensuite le dénominateur. À quoi correspond mon dénominateur ? Eh bien, il s'agit de la racine de sn carré divisé par sigma carré. Je sais que n-1 fois sn carré divisé par sigma carré, c'est distribué selon n qui carré avec n-1 degré de liberté. Donc je sais que sn carré divisé par sigma carré, c'est distribué exactement sous l'hypothèse de normalité selon une qui carré. C'est distribué selon une qui carré avec n-1 degré de liberté. Et j'ai divisé cette variable aléatoire par son nombre de degrés de liberté. Donc je reprends pour être sûr que les choses sont bien claires. Au dénominateur, qu'est-ce que j'ai ? Si j'avais n-1 fois sn carré sur sigma carré, j'aurais une variable aléatoire qui est distribuée selon une qui carré avec n-1 degré de liberté. C'est pas ça que j'ai. C'est sn carré divisé par sigma carré. Et ça, c'est quoi ? C'est une variable aléatoire qui suit une distribution qui carré, mais qu'on a divisée par son nombre de degrés de liberté. On a mis la racine ici. Et donc, ainsi, nous nous rapprochons, hein, puisqu'on a au numérateur une normale 0,1, au dénominateur la racine d'une qui carré divisée par son nombre de liberté, nous nous rapprochons vraiment de la définition de la variable aléatoire de Student. Il y a encore quelque chose à prouver, parce que nous avons bien ici. Parce que nous devrions également montrer qu'il y a indépendance entre le numérateur et ce qui se passe à la racine du dénominateur. Pour avoir cette quantité-ci qui est distribuée exactement selon une Student avec n-1 degré de liberté, il faudrait que je prouve l'indépendance entre ces deux quantités ici. Ça, ce n'est pas fait. C'est quelque chose qui dépasse le cadre de cours et qui est assez compliqué à démontrer. Mais néanmoins, en regardant encore une fois ces quantités, on peut raisonnablement se dire que la distribution de ceci, la distribution de cette quantité d'intérêt, sous l'hypothèse de normalité, eh bien, il s'agit d'une Student avec n-1 degré de liberté. Et pourquoi ça ? Ben parce qu'on l'a fait apparaître ici. On fait apparaître le numérateur et le dénominateur, les numérateurs et dénominateurs classiques que l'on rencontre dans la définition de la loi de Student. Et donc ça nous permet d'expliquer, en quelque sorte, et de comprendre pourquoi cette quantité-là, elle est exactement distribuée selon une Student à n-1 degré de liberté sous l'hypothèse de normalité. Alors, tant qu'on y est dans ces lois statistiques qui sont en fait des lois dérivées de la loi normale, on a parlé de la loi qui carré il y a quelques instants, on vient de parler de la loi de Student, il y en a une troisième qui est également une loi qui est une fonction des normales standardisées et qui s'appelle la loi de Fisher et qui, elle aussi, est extrêmement intéressante pour effectuer des intervalles de confiance, pour faire des tests d'hypothèse dans la suite. Et donc, je profite du moment pour définir, redéfinir éventuellement ce qu'est la loi de Fisher et rapidement donner l'idée de ce à quoi elle va servir dans la suite. X1 est une qui carré avec V1 degré de liberté. X2, une qui carré avec V2 degré de liberté. X1 et X2 sont indépendants. Je définis alors y qui est égal à x1 divisé par v1 divisé par x2 divisé par v2. Eh bien, la variable aléatoire y que j'ai ainsi définie, elle suit exactement une loi de Fisher avec deux nombres de degrés de liberté, v1 et ensuite v2. Donc, c'est quoi une Fisher ? C'est le rapport de deux qui carrés qu'on a divisé par leur nombre de degrés de liberté. Deux qui carrés indépendante. C'est ce qui est indiqué ici. J'ai représenté ici quelques lois de Fisher classiques. La densité, donc contre le point d'estimation de ma densité de Fisher,
Alors j'ai une courbe bleue ici, dont les 2 degrés de liberté sont relativement faibles. La courbe verte, les 2 degrés de liberté commencent à augmenter. Et lorsque les 2 degrés de liberté deviennent grands, on a un mode ici, le mode de Mafischer qui devient progressivement 1. Le maximum de ma loi de Fischer, la loi de Fischer commence à se symétriser aussi d'une certaine manière, hein, et puis son mode, il tend vers 1 lorsque les 2 nombres de degrés de liberté, V1 et V2, tendent vers l'infini. Cette loi de Fischer-là, encore une fois, c'est une loi de Fischer qui, pour des degrés de liberté connue et complètement connue, c'est une loi qui est tabulée, qui se trouve dans tous les logiciels statistiques et qui donc va être d'une grande aide lorsque nous les utiliserons pour faire de l'inférence statistique. Juste, j'ai indiqué ici, pour information, les formules de l'espérance et de la variance, V2 sur V2 moins 2, pour V2 strictement plus grand que 2 pour l'espérance, sinon ce n'est pas défini. Pour la variance, j'ai 2V2 carré fois V1 plus V2 moins 2 divisé par V1 multiplié par V2 moins 2 au carré multiplié par V2 moins 4. Et ça, cette formule-là, elle est valable pour V2 qui est strictement supérieur à 4. Bon. Ces formules sont là pour information parce que j'ai parlé des espérances et des variances précédemment des autres variables aléatoires, mais bien sûr, ce sont des formules qui ne doivent pas être retenues, tout comme d'ailleurs les autres formules d'espérance et de variance pour la loi Quicaré et la loi de Student, n'est-ce pas? Ce n'est pas le principal. Le principal est dans la compréhension la compréhension en quoi ces distributions sont utiles pour comprendre la distribution des quantités d'intérêt qui nous aident à comprendre les distributions d'échantillonnage des différents estimateurs que nous étudions. Voilà, on définit également un quantile d'ordre alpha pour ma Fischer. Donc alors je mets f indice V1, indice V2, point virgule alpha. Donc alpha est compris entre 0 et 1, comme c'était le cas pour la Student ou pour la Fischer, n'est-ce pas? Comme pour la Student ou pour la Quicaré. Hein. Et donc ce quantile d'ordre alpha, il est tel que la probabilité que y distribué selon ma Fischer, la probabilité que cet y soit inférieur ou égal à f indice V1, virgule V2, point virgule alpha, la probabilité que cet y soit inférieur à cette quantité-là, c'est égal à alpha, définition donc complètement classique pour un quantile d'une distribution continue. Ici, encore une fois, ce n'est qu'une notation que nous utiliserons ultérieurement. Alors, pour terminer sur cette loi de Fischer, même si c'est quelque chose qui est encore très peu abordé pour l'instant, j'aimerais néanmoins donner une idée de ce à quoi ça pourra servir plus tard. Je prends 2 échantillons d'individus. Alors pour ces 2 échantillons, je vais donner comme deuxième indice le numéro de l'échantillon. Donc j'ai par exemple ici x11, c'est la première donnée du premier échantillon, x21, x31, x41, xn11. Où N1, c'est la taille du premier échantillon. Ça, c'est un premier échantillon. Toutes les variables aléatoires qui le composent sont indépendantes et identiquement distribuées. Ensuite, je prends un second échantillon. Deuxième indice correspondant au numéro de l'échantillon. Donc j'ai X1,2, X2,2, X3,2, X4,2, etc. XN2,2, N2 étant la taille du second échantillon, de mon second échantillon. Ce second échantillon, il est également IID. Les 2 échantillons sont en plus indépendants l'un de l'autre et on va encore ajouter une hypothèse supplémentaire, c'est que si je prends une variable X1 qui est du même type que toutes les variables du premier échantillon et si je prends X2, une variable du même type que toutes les variables aléatoires du second échantillon, la variance de x1 est égale à la variance de x2 est égale à sigma carré. Voilà, je me donne ça comme hypothèse. Donc ça voudra dire plus tard quelque chose, tiens, je compare 2 groupes d'individus, n'est-ce pas? 2 groupes d'individus, mais où les variances dans les 2 groupes d'individus sont supposées égales. Variance de x1 égale variance de x2 égale sigma carré. Alors, hypothèse qui n'est même pas indiquée ici, mais qui devrait être indiquée. Les xi
de, les variables aléatoires des deux échantillons sont toutes les deux donc distribuées selon des normales sigma carré, des normales qui ont une moyenne mu1 pour le premier échantillon, mu2 pour le second échantillon, et qui ont une variance sigma carré. Donc en plus, nous avons chaque donnée, nous sommes dans le cas de l'hypothèse de normalité pour chaque xi de chacun des deux échantillons. Ce n'est pas indiqué ici. C'est normal quelque part parce que plus tard, il y a des approximations qui se font et on ne note plus nécessairement les distributions des différentes variables aléatoires. Mais enfin, ici, pour bien fixer les choses, il est important que nous considérions que chacun des xi du premier échantillon s'est distribué selon une normale mu1 avec une variance sigma carré, et toutes les variables aléatoires du second échantillon sont toutes distribuées selon des normales avec une moyenne mu2 et une variance également sigma carré, la même variance que la variance dans l'échantillon 1. Eh bien, alors à ce moment-là, sous ces hypothèses-là, eh bien, on peut facilement voir, n'est-ce pas, que nous avons Sn11 carré divisé par Sn2,2 au carré, qui est distribué selon une Fischer avec n1-1 et n2-2 degrés de liberté. Regardons cela. Sn11, Sn... Alors, j'explique. Hein. Donc, le numérateur, c'est Sn1,1. Sn1,1 au carré, il va s'agir de l'estimateur de variance dans le premier échantillon. Au dénominateur, qu'est-ce que j'ai ? Sn2,2 au carré. De quoi s'agit-il ? Estimateur de variance dans le second échantillon. Qu'est-ce que je fais lorsque je fais le rapport de Sn11 carré et de Sn22 carré ? Eh bien, en fait, je fais le rapport de deux variables aléatoires qui sont distribuées selon une qui carré et qui sont indépendantes. Et ces deux variables, je les ai divisées par leur nombre de degrés de liberté. Plus précisément, donc, hein, il me suffit de diviser le numérateur et le dénominateur par sigma carré. Si j'effectue cela, ben, on va se rendre compte que le numérateur, il s'agit bien d'une qui carré divisée par son nombre de degrés de liberté. Le dénominateur, j'ai Sn22 carré divisé par sigma carré, on voit tout de suite qu'il s'agit d'une qui carré divisée par son nombre de degrés de liberté. Hmm? Et puis comme les deux échantillons sont indépendants, ben les quantités résultantes, ce sont des fonctions des deux échantillons indépendants, ce sont des quantités qui sont également indépendantes. Le numérateur et le dénominateur sont donc également indépendants. Nous rentrons donc parfaitement dans la définition de la loi de Fischer. Et donc, ce rapport-là, sous l'hypothèse de normalité, sous l'hypothèse d'égalité de variance, ce rapport-là est distribué selon une Fischer dont les deux nombres de degrés de liberté sont les tailles des échantillons 1 et 2, respectivement, moins une unité, n1-1 et n2-2. Voilà, donc, qui clôture les distributions d'échantillonnage. On voit donc que dans le cas de l'hypothèse de normalité, il y a des quantités d'intérêt, il y a des quantités qui ont des distributions qui sont complètement connues, distributions non asymptotiques, donc vraies pour n'importe quelle valeur de n. Ça va nous être très utile pour faire de l'inférence concernant les quantités d'intérêt se rapportant à ces estimateurs. Donc typiquement, la moyenne, la variance, ici dans ce dernier cas, les variances dans deux échantillons différents. Et nous aurons donc le plaisir de voir ça dans une vidéo ultérieure.